Bonjour les cancers, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous présenter ce tirage de l'année 2023. Ça y est, on y est. Donc, juste avant de vous expliquer ce tirage, je vais vous présenter les tarots. Ce tarot-là, ici, c'est le tarot de la bienveillance. Et ce tarot juste ici, c'est le tarot des chats mystiques. Voilà, vous les retrouverez tous les deux en barre d'informations. Vous retrouverez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube si vous avez envie de me retrouver là-bas. Donc ça, c'est pour la barre d'informations. Hop. Alors, comment j'ai fait ce tirage de l'année 2023? Cette année, j'ai eu envie de le diviser en deux semestres. C'est-à-dire que vous avez un tirage ici en décembre et vous aurez un autre tirage d'ici, je ne sais pas, le mois de mai ou le mois de juin pour la deuxième partie de l'année. Je trouvais ça plus juste. Une année, c'est long. Les énergies se renouvellent sans cesse. Donc, je préférais faire sur 6 mois pour cette année-là. Donc l'année 2023, ici, vous avez que des arcanes majeures parce que j'avais envie de connaître les grandes lignes de votre année. Et ici, vous avez une carte pour chaque mois, donc du mois de janvier au mois de juin. Voilà. Donc de toute façon, je pense que vous allez mieux comprendre en avançant dans le tirage. C'est parti, on y va pour les cancers l'année 2023. Donc ici, les cancers, vous avez votre énergie générale de l'année. Ici, vous avez les points forts qui arrivent. Ici, vous avez les points faibles qu'il y aura à traverser ou à travailler. Ici, vous avez le sentimental. Ici, vous avez le professionnel. Et puis, bah, ça, on y regardera tout à l'heure. Voilà. Ok, c'est parti les cancers. On y va, on détaille tout ça ensemble. Donc, votre énergie générale de l'année 2023, elle sera à la force. Ça, c'est une magnifique énergie parce que c'est une année où on vous dit que vous avez la force pour surmonter tous les obstacles. Vous avez la force pour affronter tout ce qui viendra se mettre sur votre chemin. Vous pourrez utiliser autant votre force physique, votre force mentale, votre force émotionnelle, comme votre force spirituelle. On va aller transcender une force brute en une force intérieure, c'est-à-dire qu'on va gagner ce calme, on va gagner ce bien-être intérieur, cette maîtrise intérieure. Vous aurez la capacité de réaliser ce que vous désirez par rapport à ça. C'est tout simplement le meilleur symbole qu'on pourrait faire de la détermination. C'est-à-dire que j'ai vécu peut-être 7 à 8 ans de galère et aujourd'hui, je suis capable de surmonter. Aujourd'hui, je suis capable d'y arriver. J'ai la détermination pour. Rien ni personne ne pourra m'empêcher d'y arriver. J'ai un projet, j'ai une relation, j'ai une envie, j'ai une situation. Je vais jusqu'au bout des choses. Et je suis capable d'affronter tout ça jusqu'au bout. Votre détermination fera que votre année sera réussie, sera stable, sera sérieuse et sera finalement comme vous auriez eu envie qu'elle soit. Les points forts de l'année, c'est la roue de fortune. Les points forts de l'année, c'est les opportunités qui vont être à saisir. C'est l'évolution. C'est des grands changements qui vont venir transformer votre vie de manière extrêmement positive. C'est cette roue ici, la roue qui tourne en votre faveur et qui vous apporte une aide, qui vous apporte le déblocage aussi d'une situation, hein, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, qui va venir débloquer peut-être des événements inattendus. Il y a de l'argent, de l'amour, un travail, de la joie, de l'abondance, de manière très générale parce que c'est la roue de la fortune, elle tourne pour vous, elle tourne pour vous amener une certaine chance. Elle restera tout de même centrée sur vraiment ce dont vous avez besoin dans votre vie en 2023, mais ça va créer des changements hyper, hyper positifs. On vous apporte finalement dans les points forts de cette année la clé de la transformation pour
tout modifier, tout transformer. Et encore une fois, vous avez la détermination qu'il faut pour pouvoir réussir ici à transformer votre vie. Les points faibles, c'est la transformation. Les points faibles de votre année 2023, ça se passe plus sur le plan du mental, le plan psychologique qui lui a peur d'être bousculé. Là, ça fait beaucoup de changements, ça fait beaucoup de choses. Il y a un petit saboteur intérieur qui vient et qui fait ressortir des peurs, qui fait ressortir des peurs liées au changement. C'est comme si intérieurement, votre petit saboteur voulait que vous alliez mal et vous résistez tant que vous pouvez à ce saboteur-là. Donc forcément, c'est un peu douloureux, c'est un peu un combat avec vous-même. C'est vraiment une lame qui peut devenir très négative quand on a la difficulté à tourner la page, à se détacher d'un passé. Aujourd'hui, vous avez quand même cette détermination ici, cette force qui va venir comme finalement comme la plus grande des aides, qui vous dit que vous êtes totalement capable. Et ici, on a cette roue ici qui va vous amener de la chance, qui va vous apporter des évolutions et qui va venir faire tout bouger. Donc moi, j'ai pas trop peur pour vous par rapport à ça, mais c'est surtout l'idée que s'il y a une angoisse, que s'il y a une peur que vous voyez arriver par rapport à des nouvelles situations dans votre vie, n'ayez pas peur justement de les affronter avec cette détermination ici, ou de les accepter pour pouvoir les transcender davantage et donc faire attention à ce saboteur ici qui peut venir jouer les troubles faits de temps en temps sur cette année 2023. Le sentimental, on a l'appel. Alors, le sentimental, je vais le séparer en deux parties, une partie pour les couples, une partie pour les célibataires. Donc, pour les couples, pour les personnes qui sont en relation d'amour, en relation d'âme, qui ont un lien très fort, on a le symbole de la renaissance. C'est-à-dire qu'on vous annonce une période de renouveau sur 2023, une période favorable, une période où vous allez enfin voir le bout du tunnel. C'est le jugement qui représente la deuxième chance. Donc, ça peut évidemment annoncer le retour de l'être aimé, ou bien si vous êtes actuellement en couple, un redémarrage. Des nouvelles bases de manière beaucoup plus positive et clairement c'est une énergie de réconciliation. Donc vraiment ne perdez pas espoir, votre relation, votre lien est riche, il est sincère, il est profond et aujourd'hui on va lui offrir cette deuxième chance sur 2023. Pour les célibataires, c'est une énergie qui vous aide dans la guérison, surtout d'anciennes blessures. Ça représente toujours la deuxième chance, mais ça annonce pour vous, les célibataires, des nouvelles possibilités qui vont être beaucoup plus en adéquation avec qui vous êtes aujourd'hui, parce qu'on se modifie tous au fur et à mesure des mois, des années. Et pour les personnes qui recherchent l'amour, on vous dit de garder un espoir parce que sur l'année 2023, il y a une rencontre amoureuse très inattendue qui pourrait venir complètement bouleverser votre vie. Pour la sphère professionnelle, on a la carte 14, la patience, la tempérance, qui nous dit que sur cette année 2023, vous allez quitter une situation qui ne vous convenait plus du tout pour aller vers des nouveaux changements, pour aller vers une nouvelle situation. Donc, ça peut être un nouveau poste, une nouvelle entreprise, des nouveaux projets, une nouvelle tâche, ça peut être un nouveau patron, des nouveaux clients, une nouvelle région, peu importe. Il vous faudra trouver un équilibre entre justement la patience et l'épuisement de cette nouveauté ici. Malgré tout, c'est une énergie d'épanouissement, de réussite, c'est même une énergie de succès. Donc, quoi qu'il arrive, c'est excellent pour l'énergie du travail, ça va amener de la nouveauté, ça va amener un renouvellement, c'est excellent aussi pour les énergies, pour le travail d'équipe. Il y a une droiture morale, il y a une bonne humeur, donc vous êtes vraiment sur le chemin de trouver l'harmonie et de trouver la paix dans votre travail et je dirais surtout l'équilibre. Voilà.
Voilà les cancers pour la première partie générale de votre année 2023. Et donc, on va passer ici tout de suite au mois de l'année. Et donc, on démarre avec le mois de janvier et vous avez la mort. C'est hyper, hyper intéressant parce que c'est la même arcane ici que vous aviez dans les points faibles et ici, ça se présente au mois de janvier. Moi, j'ai l'impression qu'au mois de janvier, il va y avoir un bouleversement, il va y avoir quelque chose, d'accord, d'assez inévitable. Il y a une transformation, il y a une métamorphose qui se fait. Ça, c'est la mort symbolique d'une énergie pour la renaissance d'une autre énergie. Donc, clairement, au mois de janvier, vous ne serez plus jamais le même que vous étiez auparavant parce que vous allez renaître. Il y a un deuil à faire. Le deuil de vous-même, le deuil de la personne que vous étiez avant, le deuil peut-être d'une relation, d'une situation, d'une habitude, peu importe, mais c'est un processus qui est là pour vous amener une nouvelle vie, pour vous amener des nouveaux projets, pour vous libérer, pour évoluer, pour avancer. Mais effectivement, tout changement passe par une transformation, passe par un nettoyage intérieur en profondeur. Et donc, il y a un nouveau chapitre qui est en train de s'écrire sur le mois de janvier. Il y a un bouleversement, un changement, et c'est peut-être là que ça va vous faire peur. D'accord? Et ça, c'est hyper intéressant de le savoir et de le voir ensemble, parce que oui, tout ce changement, tout ce bouleversement, cette renaissance, elle est absolument magnifique, mais je pense qu'elle risque peut-être de vous effrayer un petit peu, donc c'est intéressant d'avoir vu ça ensemble, vous pourrez mieux l'appréhender. Le mois de février, magnifique, c'est le chariot. Le chariot, en plus, c'est votre énergie, les cancers. C'est le symbole du triomphe, c'est le symbole de la réussite. C'est une carte qui annonce une énorme réussite par rapport, encore une fois, à une certaine détermination dont on a parlé là tout à l'heure. C'est une réussite qui arrive parce qu'on a eu de la persévérance, parce qu'on a travaillé, parce qu'on a su prendre des risques aussi, parce qu'on avait la volonté, parce que aucun obstacle n'a été impossible à franchir, parce qu'il y a eu cette détermination, cette force ici avec soi d'abord. Et ici, on a clairement une victoire face à un obstacle important au mois de février pour vous. Ça va vraiment vous faire gagner de la confiance et du courage et de la détermination. C'est une lame qui parle de mouvement, on le voit ici, hein. Vous voyez, c'est un chat qui commande des chiens, donc la symbolique, elle est assez grande. Ici, on a un soleil derrière lui. J'ai pris le pouvoir finalement et j'avance. Peu importe la difficulté, peu importe si ça m'a fait peur, j'ai avancé quand même. Donc c'est vraiment un beau message par rapport à ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Donc, comme je vous le disais, c'est une lame de mouvement. Donc, ça peut annoncer un voyage, ça peut annoncer un déplacement, ça peut annoncer aussi quelque chose de très intérieur qui va beaucoup bouger à l'intérieur de vous. Votre situation progresse très positivement et vous vous affirmez, en même temps, vous restez focalisé sur votre objectif. Donc, il y a un grand succès derrière ici. Ensuite, au mois de mars, on a la 5 de feu. Au mois de mars, c'est une énergie qui est un peu plus compliquée, même si elle est pas difficile à dépasser, mais elle est peut-être compliquée à comprendre. La 5 de feu, c'est les conflits. C'est être au cœur d'un conflit, au milieu d'un débat, au milieu de rivalités, où chacun tient un peu sa position, où chacun veut un peu imposer son point de vue, c'est à celui qui montrera le plus de muscles, le plus de force. Ça peut être par exemple un combat professionnel, un combat familial, ça peut être un héritage, ça peut être un combat de coq vraiment où il y a une incompatibilité d'idées et c'est vraiment le combat d'ego avec des tensions et tout le monde y perd son énergie. Ça peut être aussi un conflit interne, une tension intérieure, parce que vous ne savez plus où vous en êtes dans votre vie. Peu importe, ici, on est vraiment dans l'ego. C'est-à-dire que s'il y en a un qui décide de lâcher, peut-être que les autres lâcheront. Et c'est un peu ça le message qu'on vous apporte sur le mois de mars. Peu importe le conflit que vous allez connaître au mois de mars, il y en a toujours, on en a tous. N'oubliez pas ici.
posez-vous la question si c'est vraiment important d'aller vous battre, d'aller au front et d'aller dans ce combat ici qui mènera sûrement à rien. Je pense que c'est un test à savoir si vous êtes prêt à plus écouter votre âme que votre ego. Moi, je le vois comme ça au mois de mars. En tout cas, voilà, ça ne veut pas dire que tout le mois, il y aura des conflits, mais c'est quelque chose qui va vous embêter un petit peu. Au mois d'avril, bah regardez, hop, au mois d'avril, on prend un bain de soleil. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Un petit bain de soleil au mois d'avril, donc les tensions vont vite passer. C'est magnifique. Alors, le soleil, il annonce une période, comme vous l'avez imaginé ici, très sereine, une période de paix, une période de succès. Le soleil, il symbolise aussi la vie, il apporte un sentiment de plénitude, de calme, de moments hyper agréables, hyper apaisants. Il symbolise aussi les valeurs de fidélité, de vérité, de loyauté. Donc c'est vraiment le mois d'avril, un mois où vous allez être super bien, vous allez vous réaliser vous-même, vous allez réaliser des projets. C'est vraiment le moment d'être soi au mois d'avril parce qu'il y aura cette confiance en vous, cette confiance aux autres. Il y aura des relations hyper positives parce que la communication sera excellente. Donc voilà, par rapport au moment compliqué que vous avez pu traverser, le mois d'avril, ça va être le moment de savourer, d'être dans des moments de bonheur et de briller ici avec ce soleil. Au mois de mai, on a les amoureux. Alors, les amoureux, dans la symbolique, c'est vraiment une énergie de choix, une énergie d'hésitation par rapport à un univers, à un intérieur émotionnel. Parce que c'est aussi l'énergie de l'amour universel, de l'amour intérieur. Est-ce que j'arrive à me combler ici autant que ces deux chats se comblent ? C'est une énergie de stabilité émotionnelle, de désir, mais en même temps une énergie de prudence. C'est une carte qui vous met en garde contre toutes les situations qui vous empêcheraient d'être vous-même, qui vous empêcheraient d'avancer. Les illusions, les situations impossibles, les indécisions, tout ce qui peut vous mettre en travers de votre chemin, tout ce qui peut vous mettre en travers de l'amour de vous-même. On vous invite à avoir confiance en vous au mois de mai, on vous invite à savoir trouver l'équilibre, à être attentif à votre voix intérieure, mais aussi à garder les pieds sur terre par rapport à des projets, par rapport à des relations, et à trouver aussi votre place à l'intérieur de vous et dans votre vie. C'est vraiment une énergie qui amène la paix avec vous-même, dans vos valeurs, dans votre intérieur. C'est également une lame qui nous parle d'amour, d'amour inconditionnel, donc il y a un lien d'amour très très fort qui pourrait être présent pour vous pour ce mois de mai, un peu plus que les autres mois. Le 2 de feu nous parle du mois de juin, donc pour terminer, le 2 de feu c'est d'être à la croisée des chemins, c'est d'être face à un choix de vie assez important. C'est comme si vous étiez... face à cette porte ici, il y avait un chemin à gauche et un chemin à droite. Le chemin à gauche, il va nous parler de votre quotidien qui vous sécurise, dans lequel vous êtes bien et en même temps qui commence à vous ennuyer. Et puis le chemin à droite, c'est un chemin que vous n'avez jamais emprunté, c'est-à-dire que vous ne savez absolument pas ce qu'il y a au bout. C'est l'inconnu, c'est l'insécurité, mais en même temps, c'est quelque chose ici qui me procure une passion, un désir, quelque chose d'assez dévorant parce que ça me pousse à aller de l'avant et ça me pousse à me dépasser, à sortir de ma zone de routine. Donc vous allez devoir peser le pour et le contre entre ces deux chemins au mois de juin. En fait, le seul message ici qu'on vous donne, c'est que au mois de juin, peu importe ce qui se passe, que ce soit une relation, une profession, un projet, un choix de vie, un problème intérieur, on vous dit écoute ton intériorité. C'est le moment de s'aligner avec ce que tu désires vraiment. C'est le moment de suivre ton cœur et personne d'autre. C'est le moment de suivre ton instinct et ce que tu as à l'intérieur de toi. Voilà pour vous les cancers. Waouh, c'était,
C'était une guidance assez riche. J'espère que vous aurez compris les messages dans les grandes lignes de cette année 2023. Laissez vos commentaires, ça me ferait plaisir de vous lire. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous.